أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Rappelle-toi, quand les anges dirent ô Marie, certes Allah t'a élue et purifiée, et il t'a élue au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Dans ces nobles versets du livre d'Allah, qui depuis 14 siècles glorifie Dieu et sa servante Marie, la mère de Jésus, la pure Marie, la Vierge. Vous avez pris connaissance dans ces versets que Dieu a élu au-dessus des femmes des mondes Marie. Si le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, aurait écrit ce livre, il aurait peut-être pu mettre le nom de sa mère ou dire que celle-ci était élue au-dessus des mondes. Mais dans le Coran, vous ne trouvez pas le nom de la mère de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses épouses, que la paix soit sur elles toutes. Mais vous trouvez un seul nom de femme, c'est le nom de Marie, paix et bénédiction d'Allah sur elle. Vous voyez une preuve encore que c'est une révélation qui a été faite au prophète. Et dans le verset aussi, Dieu ordonne à Marie, « Ô Marie, obéis à ton Seigneur, et prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Ceci est un signe pour nous montrer qu'à l'époque dans laquelle Marie et Jésus ont vécu, eux aussi se sont prosternés devant Dieu. Eux aussi se sont inclinés devant Dieu. Et jamais Jésus n'a fait une statue de lui-même et prié lui-même. Jamais il n'a fait une statue de sa mère et prié sa mère. Tous les deux ont adressé leur prière à Dieu, leur invocation au Très-Haut. Vous voyez comme ils ont changé la religion de Jésus, qui à l'origine n'était pas celle que nous trouvons aujourd'hui chez les chrétiens. Cette religion était de n'adorer que Dieu seul. Lisez aussi dans le Deutéronome, lorsque Moïse était sur la montagne sainte du Sinaï et qu'il reçut la Torah dans laquelle se trouvent les 10 commandements. Dans le deuxième commandement, Dieu dit à Moïse, « Tu ne te prosterneras pas devant des images taillées. » Car lorsque ton Seigneur, l'Éternel, t'a parlé du milieu du feu à Horeb, tu n'as vu aucune figure dans le feu. Ceci aussi est une preuve que Moïse, la paix soit sur lui, s'est prosterné devant Dieu. Nous trouvons aussi dans le Coran que Dieu dit « Les mosquées sont consacrées à Allah seul, n'invoquez personne avec Allah. » Et le prophète lui-même a dit « Quand tu demandes, demande à Dieu. » Il y a aussi de nombreux versets dans le Coran dont j'aimerais vous citer le rappel. Car Dieu a dit dans le Coran, le rappel profitera aux croyants. Dans la sourate numéro 6, au verset 82, Dieu dit ceci, « Ceux qui ont cru et qui n'ont jamais troublé leur foi par quelque association, ceux-là ont la sécurité et la bonne guidance. » Dans la sourate numéro 7, les versets 151 à 194,
Dieu dit ceci: ceux que vous invoquez en dehors de Dieu sont des esclaves comme vous, des serviteurs comme vous. Ils ne créent rien et sont eux-mêmes créés. Dans la sourate El Imran, la sourate numéro 3 au verset 80, Dieu dit encore: Dieu ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs. Vous ordonnerait-il le kufr, la mécréance, alors que vous êtes soumis à lui, muslim? Donc nous comprenons de ces versets que le fait d'adorer ou de prendre comme seigneur ou d'invoquer, de demander à un autre que Dieu, à un ange, à un prophète, quelque chose, que cela est de la mécréance et que cela fait sortir de la soumission à Dieu et que cela fait entrer dans la mécréance. Quant à celui qui ne demande pas à un prophète quelque chose, mais qui lui demande d'intercéder auprès de Dieu, ceci n'est pas licite de le faire, car Dieu seul connaît toutes choses. Dans la sourate la table servie, El Maïda, dans les derniers versets, Dieu dit ceci à Jésus le jour du jugement: ô Jésus, est-ce toi qui as dit aux hommes: prenez-moi comme Seigneur ainsi que ma mère, comme divinité en dessous de Dieu? Et Jésus de répondre, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne l'aurais seulement ordonné de n'adorer que Dieu. Mon Seigneur est votre Seigneur. Si je l'avais fait, tu l'aurais su, car toi, tu connais toutes choses et tu connais l'inconnu. Je ne connais pas ce qui est en toi, mais tu connais ce qui est en moi. Lorsque j'étais parmi eux, c'est moi qui les surveillais, mais quand tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui étais le témoin. Nous voyons dans ces versets que lorsque Dieu a rappelé Jésus à lui, c'est Dieu qui était témoin et non pas Jésus. Et notre prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari qu'au jour du jugement, viendront à son bassin et quiconque boira à son bassin n'aura plus jamais soif. Et son bassin a des coupes aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Et viendront des gens à son bassin, et le prophète dira: ils sont des miens. Et on lui dira: non, ils ne sont pas des tiens, car ils ont changé ton enseignement une fois que tu n'étais plus parmi eux. Alors le prophète dit: je répondrai comme Jésus, le serviteur vertueux. Lorsque j'étais parmi eux, j'étais témoin, je les surveillais, mais quand tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui étais le témoin. Donc nous comprenons qu'une créature, quelle qu'elle soit, prophète, ne peut pas connaître tout, ne peut pas voir tout et ne sait pas tout. Cela n'appartient qu'à Dieu seul. C'est pourquoi c'est lui seul qu'il faut prier. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, a demandé l'aide de Dieu et Dieu lui a envoyé un ange. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui les chrétiens demandent l'aide et le secours de Jésus plutôt que de Dieu, alors qu'ils devraient l'imiter et faire comme lui, demander le secours de Dieu et non pas le secours de son prophète Jésus, paix et bénédiction sur lui.